Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'avais le goût depuis longtemps de faire cette capsule, mais manque de temps, oui, toujours ce manque de temps, n'est-ce pas? En fait, vous êtes très très nombreux à me demander la signification des différentes couleurs des plumes d'ange qu'on peut rencontrer. Donc voilà, maintenant je prends enfin le temps de vous faire quelques capsules en vous expliquant les différentes couleurs des plumes d'ange que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Je vous souhaite, eh bien, une toute belle écoute des différentes significations des couleurs d'une plume d'ange. Les plumes d'ange sont souvent perçues comme des signes spirituels ou des messages de la part des anges ou d'autres entités spirituelles. Chaque couleur de plume est associée à une signification particulière qui peut varier en fonction des croyances personnelles ou des traditions spirituelles. Eh bien, voici quelques-unes des interprétations courantes des couleurs des plumes d'ange. Ici, c'est la plume noire, protection et transformation. Les plumes noires peuvent être un signe de protection contre les énergies négatives ou d'un besoin de transformation intérieure. Elles peuvent également indiquer, eh bien, la présence d'une force spirituelle puissante qui vous guide à travers une période difficile. Alors, la plume noire, comme la plume blanche, est un symbole spirituelle riche en signification, mais elle est souvent interprétée de manière plus complexe. Contrairement à la croyance populaire qui pourrait associer le noir à quelque chose de négatif, eh bien, dans le contexte spirituel, la plume noire a des significations très profondes et positives. Voici une exploration d'une plus approfondie des diverses interprétations de la plume noire. Eh bien, la plume noire est souvent considérée comme un puissant symbole de protection. Trouver une plume noire peut signifier que vous êtes protégé des énergies négatives ou des influences extérieures nuisibles. Les plumes noires peuvent être perçues comme un bouclier spirituel, ainsi vous aidant à rester fort face aux défis ou aux attaques énergétiques que vous pouvez subir. Le noir, eh bien, est souvent associé à la transformation et à la renaissance. Dans la nature, n'est-ce pas, la nuit précède toujours l'aube, et de même, une plume noire peut symboliser une période de transformation profonde dans votre vie. Cela pourrait indiquer que vous traversez une période de changement ou de métamorphose intérieure, vous préparant ainsi à émerger plus fort et plus sage. Elles sont également liées au mystère, à l'inconnu et à l'invisible. Elles peuvent vous encourager à explorer des aspects de vous-même ou de votre vie qui sont cachés ou non reconnus. Cela peut être un signe que vous êtes invité à plonger dans les aspects plus profonds de votre conscience ou à explorer, eh bien, des domaines spirituels ou occultes. Le noir est une couleur souvent associée à la force et à la résilience. Une plume noire peut être un signe que vous avez la force intérieure nécessaire pour surmonter, eh bien, les obstacles que vous rencontrez. Elle vous rappelle que vous avez la capacité de traverser des périodes difficiles avec courage et détermination. Elles peuvent également symboliser, eh bien, la nécessité de libérer quelque chose dans votre vie qui ne vous sert plus, qui ne vous convient plus. Cela pourrait être des croyances,
des relations ou des situations qui ne sont plus en alignement avec votre véritable chemin spirituel. La plume noire est un rappel que le lâcher-prise est parfois nécessaire pour permettre la croissance et le développement. Alors, dans la psychologie jungienne, l'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas ou que nous rejetons. Eh bien, une plume noire peut symboliser la nécessité d'accepter et d'intégrer ces aspects de vous-même. C'est une invitation carrément à explorer et à comprendre vos peurs, vos doutes et vos émotions cachées, afin de les transformer en force. Alors, certaines traditions spirituelles voient la plume noire comme un signe de la présence d'un guide spirituel ou d'un ange gardien qui vous aide à traverser des périodes difficiles. Ces entités spirituelles, eh bien, vous envoient la plume noire comme un signe qu'elles sont là. Oui, elles sont là pour vous soutenir et vous guider dans les moments de ténèbres ou d'incertitude. Elle peut aussi signaler que vous êtes sur le point de commencer un voyage spirituel profond. Ce voyage, eh bien, peut impliquer de descendre dans les profondeurs de votre âme, de faire face à des vérités difficiles et de découvrir des aspects cachés de vous-même ou de l'univers. Lorsque vous trouvez une plume noire, pour certains d'entre vous, eh bien, prenez un moment pour réfléchir à votre situation actuelle et à ce que cette plume pourrait signifier dans le contexte de votre vie. Vous pouvez la conserver comme un rappel à la protection spirituelle ou alors la placer dans un endroit spécial pour symboliser, eh bien, votre engagement envers la transformation personnelle. Si vous vous sentez attiré par des pratiques spirituelles, eh bien, la plume noire peut également être un signe pour approfondir votre connexion avec le monde spirituel. Eh bien, voilà, en résumé, eh bien, la plume noire est un symbole de protection, de transformation, de mystère et de force intérieure. Elle vous invite à embrasser l'inconnu, à affronter vos peurs et à avancer avec une confiance et résilience sur votre chemin spirituel. Ça, c'est mon interprétation. Alors, ces interprétations sont basées sur des croyances spirituelles et peuvent varier en fonction des contextes culturels ou religieux. Chacun, n'est-ce pas, vraiment est libre d'interpréter la signification des plumes d'ange selon ses propres sentis et expériences. Eh bien voilà, je vous souhaite une lumineuse journée. Prenez soin de vous. Et pour ma part, je vous dis, eh bien, à très vite.